va, hein. Bonsoir. Ça va. Ça va. Ça va. L'homme de Bertrand. Welcome. L'homme froid de Bertrand. Vous avez le timing. Le timing a raté. Normalement, de vous faire un temps pour prendre le poids sur le terrain. Hein? Vous avez déjà vendu plus de la fière. Non, petit. C'est un peu facile. Ça va. Ça se passe bien. Ça va? Ça va? Hello! Ça va? Bonsoir. On ne t'a pas, maman. Non? On doit y avoir ça va? Aïcha? Bien entendu. Prêt, je suis prête. À 100%. Comment vous allez? Respect. Bonsoir. Bonne année. Hey! Ça, c'est ma photographie. Ça. Amen. La ressemblance. Amen. Ça va, fils? Ça va. How are you? Ça va. Hey! Le professeur est... Qu'est-ce que Dieu commence? Qu'est-ce que Dieu commence? Quand on arrête l'esprit, qu'est-ce que Dieu commence? C'est spécial. C'est Dieu te bénisse. Hello! Non, 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 levez-vous. Ça va? Comment tu es? Comment tu es? Ah, c'est là. Ma banni là. Ça va? Mais là, je suis un peu mal. Ah, c'est là, si. Ah, bon, hein? J'étais là, on a nous, non. Moi, ça va. Les gens, la sécurité. Ça va. Comme le gars. Non, laissez de vous. Laissez de vous. Ça va. Papa, ça va comment? Ça vient déjà. Ça va. Ça c'est... Ça va. Il y a donc un défilé de mode ici. Pour le défilé de mode. C'est quel couturier? C'est quel couturier? C'est Rema. Rema Couture, papa. Et maman, que Dieu vous bénisse. Il y a les Rema, papa. Que Dieu vous bénisse.
C'est la présidente fondatrice de BAEP. Alors, je les ai évangélisés qu'il y a un très grand programme qui va se passer. Et on n'a pas eu donc aujourd'hui, on a eu donc une rencontre parce qu'on a voulu venir de nous avec l'équipe de l'église. Ok. Ok. Je ne sais pas si on peut disposer de 2-3 minutes. D'accord, je vais bien. La laisse. Pour solliciter des prières par rapport au travail que le chef de l'État nous a confié, c'est-à-dire implémenter pour les populations camerounaises un régime de sécurité sociale qui leur permette de ne plus être seuls en temps difficile, en cas de maladie, en cas d'ennui de famille, en cas de vieillesse, en cas de maladie professionnelle, bref, tous les cas. Et même les problèmes, surtout les problèmes de chômage des jeunes. C'est un programme qu'il a légué à sa postérité, qui sont dans les jeunes, comme héritage. Parce qu'il s'est dit que les jeunes camerounais doivent désormais retrouver le chemin du bon travail, du travail décent, du travail bien rémunéré. Alors, nous avons un partenariat avec l'État et tout le programme est financé par les Américains qui doivent même nous rejoindre ici pour travailler. Mais il y a beaucoup de barrières, beaucoup, beaucoup trop de barrières. Alors, nous sommes venus pour solliciter des prières et je représente l'offrande pour la demande de ces prières que nous avons préparé pour vous, notre modeste offrande, et puis une lettre explicative de tout ce que nous faisons et la documentation du projet qui vous permettra de temps en temps, lorsque vous verrez, vous comprendrez. La lettre, elle est là-dedans, ça c'est une décharge. Mais on m'a déjà dit que les prophètes ne déchargent pas les lettres. That's why I'll go back with. Je vais d'abord garder le fond. C'est vrai. Nous aurions voulu qu'au plus de l'Assemblée de demain, nous expliquions aux gens quels sont leurs droits désormais au programme de sécurité sociale que le chef de l'État lègue à sa postérité, les jeunes. C'est très important. Et également, même les vieillards, ils seront pris en charge. Et ils recevront des compléments d'allocation de vieillesse, qu'ils soient retraités de la CNPS ou non. C'est une association. Disons, c'est une ONG de droit américain. Le chef de l'État. Il est le propriétaire, le président du. Donc, je vais retourner par. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci à vous aussi. Merci beaucoup. À demain. D'accord, merci. Ok. C'est comment ? Ça va ? Tu vas comment ? Prince, ça va? Tu as pris les discussions, je pense. Voilà.
Ça va, hein? Voilà. Ça va, maman? Bonne année. Ça va. Hé! Mon porte-parole international. Comment? C'est quoi, c'est Romain? J'entends le son des anges. Ils viennent opérer. Où est la présidente de la Corée? Président. Président. Ça, c'est la jeune. Ancienne femme forte. De pouvoir changer de vrai. D'accord. Bon, pourquoi la Corée? Je ne sais pas. Papa, il y a des dictionnaires. Non, papa, j'ai mis de côté la personne qui ne venait pas de fille. Ah bon? Qui ne venait pas de l'enfant. Donc j'aurais demandé la personne. Mais elles sont à peine deux. Voilà. Tout ça, c'est Yaoundé. Voilà. Là, c'est Yaoundé seulement. Non, voilà, Bertois. Bertois, hein. Merci, Douala. Ça va? Le voyage s'est bien passé. Bon, je dois aller. Hey! La mère de mère. Ça va. Le voyage s'est bien passé. Mais tu as aussi le doigt là. Oui, papa, j'ai dit les deux noms. Ça va. Voilà. Est-ce qu'on est nombreux les autres? Ah, quelle nombreuse, la correcte. Papa, on a commencé les répétitions depuis fin avril. Donc nous, on a commencé à répéter depuis pratiquement un mois et demi. Vous avez répété combien de fois? On a répété toutes les articulations. On a fait la louange, on a fait les offrandes, on a fait la consécration. Donc ça veut dire que vous avez des numéros spéciaux. Oui, papa, on a un numéro spécial. Et là, vous avez l'aide d'adoration. C'est ça, hein? Vous avez préparé l'adoration? Non, papa. Pourquoi? Papa, comment c'est? Non, il faut préparer l'adoration, mes amis. C'est un culte national, donc je dois tout faire. D'accord, papa. Non, vous devez être prévisionnel. D'accord, papa. Ouais. C'est ça, non? Oui, papa. Ok, vraiment, que le Seigneur soit avec vous. Amen. Que demain soit une journée joyeuse. Et nous comptons sur vous pour bien chanter, les amener à jusqu'au troisième. Un tôt très tôt aura nous au troisième ciel, où l'apôtre Paul est parti. Et tu donnes le micro à ceux maîtrise le chant. Pas de gamage. Toi, tout le monde, tu dois chanter dans le micro. Parce que sinon, je t'en tiendrai pour responsable. On va parler au caméra. Après. Maïva, mon docteur. On a dit que docteur. Docteur. Me respecte. Les gars, c'est bien. Je vous vois grandir. C'est comme ça là maintenant. Ça va? Très bien. C'est comment? Qui a installé ça? Ça sent le milieu, je sais pas. Désiré est où? Papa Dobby? Oui, révérend Bassama, qui a installé ici? Moi, papa. C'est toi qui a installé? Oui. Ok. Il y a combien de chaises ici derrière? Les chaises. Ici, sur les gradins. Papa, c'est, voilà pourquoi on attendait que vous arriviez pour demain. Qui dort, s'assoit ici, on doit mettre comme les chaises. C'est comment mon révérend?
Je dis que si là, les chaises sont où? Les chaises sont quoi? Il faut les chercher. Donc vous n'avez pas apporté les chaises de leader. Ah, vous savez toujours que quand on a culte, il y a toujours des gens. Il y a des invités derrière, non? C'est pas ça. C'est ça, papa. Pourquoi il n'y a pas les chaises de leader? En principe, comme papa Mokoko n'est pas là la plupart du temps, le palais nous donne des chaises comme derrière. S'il ne donne pas, on va aller chercher nos chaises. Parce que ça, on est monté ça avec papa Mokoko. En fait, la dernière fois, c'était un nombre limité de personnes, pas des dizaines de personnes, un peu plus, ici dans le carré. Il y a tout, parce que moi, je cherche les choses. Donc, on va prendre les choses. Voilà, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Nous sommes au palais des sports Ouarda, au Cameroun. Nous nous apprêtons pour le grand culte national qui aura lieu ce dimanche 2 juillet 2023. C'est un culte extraordinaire et nous avons hâte de vous recevoir. Où que vous soyez, s'il vous plaît, ne restez pas à la maison. C'est un jour de fête, c'est un jour extraordinaire, c'est un jour de grâce. C'est un jour où la main de Dieu se manifestera puissamment. Et comme j'ai dit, mettez vos plus beaux vêtements parce que c'est un jour pendant lequel le Seigneur fera toutes choses nouvelles dans votre vie et dans votre famille. Donc, je pense que c'est une occasion rêvée pour chacun d'entre nous de pouvoir être là dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Cameroun doit adorer le Seigneur. Le Cameroun doit tourner son cœur vers le Père des esprits, des prophètes. Et nous, nous attendons à vous voir très nombreux ce dimanche. Vous voyez, les installations sont en train d'être faites. Et les différents départements sont là pour l'organisation de la rencontre de demain. Nous sommes à pied d'œuvre pour que tous ceux qui seront là demain puissent être à l'aise, que chacun se sente bien dans la présence de Dieu. Donc on aura des moments très forts, des moments de louange, d'adoration, de célébration, de témoignages puissants, un message pour réorienter nos priorités devant Dieu et faire de lui notre exclusivité à chacun d'entre nous. Et des messages prophétiques pour la nation et pour les familles qui seront présentes, la consécration des familles à Dieu, tel qu'on ne l'a jamais fait. Et je le répète, tel qu'on ne l'a jamais fait. Quand tu viens ce dimanche, rassure-toi que toi et ta famille, vous soyez consacrés à Dieu, que vous soyez passés devant la présence de l'Éternel, notre Dieu, pour la consécration et le renouvellement de notre alliance avec notre Dieu. Donc, les malades, on va prier pour vous. Ceux qui ont des cas difficiles, j'ai donné l'instruction. J'ai dit qu'il y aura un stand. Caleb, tu te charges de ça. Il doit avoir un stand à l'entrée là-bas. Vous avez les maîtres cas difficiles. Les gens qui ont des cas difficiles, on va prier pour des cas difficiles. Ça peut être dans le domaine de la santé, professionnel, de la vie, etc. etc. Donc, et l'huile de faveur, chacun doit avoir une bouteille d'huile de faveur neuve. Elle sera à l'entrée même du palais des sports. Il y aura un stand pour l'huile de faveur à l'entrée du palais des sports. Et chaque famille devra se présenter avec son offrande de consécration familiale devant l'Éternel, notre Dieu. Pour le reste, le Seigneur disposera comme il voudra. Mais n'oublie pas, sois revêtu de vêtements de fête. Pour le reste, le Seigneur nous bénira. Que Dieu te bénisse et soyons très, très nombreux. Venons très tôt. Ce dimanche, 2 juillet, au palais des sports de Ouarda, tu peux montrer comment les équipes sont mobilisées pour l'organisation du programme. Là, il y a chaque département qui est en train de travailler. Et pour le reste, le Seigneur nous bénira, qui vous arrose. Il y a même des gens qui vont dormir sur place, je pense. Il y a des délégations qui vont dormir sur place. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et donc, j'ai hâte de te voir ce dimanche. Ça, c'est le dernier direct que je fais. La prochaine fois que vous me verrez en ligne, ce sera
pendant le culte national, ce dimanche 2 juillet à partir de 7h30. Après cela, le 3 juillet, nous prenons le vol pour la Côte d'Ivoire, où nous serons là le 4, le 5, le 6, dans l'auditorium de la Synepsie à Yopougon-Sable. Donc, chers Ivoiriens, on ne vous a pas oublié, soyez très nombreux à l'auditorium de la Synepsie à Yopougon-Sable, le 4, le 5 et le 6, tous les soirs à partir de 17h. Et le 7, nous aurons une conférence d'impartition. Le lieu vous sera donné, on m'a déjà donné le nom du lieu. Et le 8, c'est la réception des partenaires. On va les recevoir, je vais les recevoir un à un. Et je vais prier avec chacun, donner une orientation prophétique à chacun d'entre eux. Et après cela, nous allons retourner au Cameroun pour nous apprêter pour la tournée européenne. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Et je te souhaite par anticipation bon culte national et de plaintes à l'Éternel. Les plaintes seront à l'entrée. On va vous remettre un format de plaintes. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Shalom.